Bonjour, un cadre un petit peu particulier pour ce nouveau numéro de La Voix est libre. On ne va pas parler politique exceptionnellement ce samedi matin. Nous sommes en direct, nous sommes à Angers et nous sommes en direct du Festival du Scoop. C'est le Festival international du journalisme. Notre invitée ce matin donc n'est pas une femme politique, mais vous la connaissez, vous l'avez reconnue. Notre invitée, elle est journaliste, c'est Marie-Laure Augry qui va venir nous rejoindre sur ce plateau. Xavier. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. D'abord un mot sur le Scoop, ce festival, c'est quoi le concept ? Mais écoutez, c'est un lieu magique parce qu'on peut voir à Angers et les Angevins peuvent voir ce qui se fait de mieux et de plus extraordinaire dans le domaine du journalisme et dans le domaine du magazine. Et je vous assure que les sujets que le jury a vus là pendant trois jours... Vous êtes membre du jury de présélection. Membre de jury de présélection. Je crois qu'on avait à peu près une centaine d'heures à visionner pour en sélectionner une vingtaine. Mais voilà, c'est très réconfortant de voir qu'aujourd'hui encore, il y a de beaux magazines, des magazines d'investigation, des magazines qui ouvrent les yeux sur le monde. Et aussi sur ce que l'on vit dans notre quotidien. Oui, parce qu'il y a effectivement des reportages qu'on peut visionner, mais c'est aussi le moment où on s'arrête un peu sur nos métiers. Et il y a des débats aussi sur le journalisme aujourd'hui. Ce qui est bien aussi. Je veux dire que c'est un cadeau qui nous est fait. C'est-à-dire de pouvoir se retrouver, discuter, réfléchir, confronter, prendre un peu de recul, ce qu'on n'a pas vraiment l'occasion de faire dans la continuité. Voilà. Mais bon, si ça se limitait à être entre nous, on se fait plaisir. Je pense que la vocation du festival serait trop limitée. Ce qui est formidable ici, c'est que c'est l'ouverture vers l'extérieur et que pendant 10 jours, vous avez des débats sur l'information, le traitement de l'information. Là, c'était entre autres autour de la pipolisation, où de nombreux Angevins viennent, participent et sont partie prenante d'une réflexion sur le contenu de l'information. Et je pense que c'est important aujourd'hui parce que moi, je m'en rends compte dans ma fonction de médiatrice. Je veux dire, les téléspectateurs se sentent de plus en plus concernés, impliqués dans la vie quotidienne, dans la vie politique. Et ils ont besoin de ça et dans le traitement de l'information. On va parler de tout ça. Bonjour Christine Villevoisin. Alors pourquoi on a invité Marie-Laure Augry aujourd'hui ? Elle a déjà en partie répondu à la question parce qu'elle connaît très bien ce festival. Et pour son parcours professionnel qu'on va retracer, Marie-Laure, vous êtes née en 1947 à Tours, où vous avez fait vos études de journalisme avant d'entrer à TF1. C'était en 1972. 1975, vous présentez votre premier journal télévisé, l'édition de la nuit, dont nous avons retrouvé quelques extraits des débuts encore un peu hésitants. Hein. Ah oui, on va regarder. Ça, oui. Jacques Chirac, pour sa part, s'est félicité cet après-midi de l'excellent climat dans lequel se déroulent ses entretiens, et notamment celui qu'il a eu cet après-midi en tête-à-tête avec Madame Indira Gandhi. Si les conversations politiques sont maintenant... Vous continuez à faire des reportages jusqu'en 1981, ça vous fait rire, hein, où vous couvrez la campagne électorale. 1981, c'est aussi le début pour vous d'une grande aventure qui va marquer votre carrière. Vous co-présentez le journal de 13h avec Yves Mourouzi, un couple qui va entrer d'ailleurs dans l'histoire de la télévision. On en reparlera tout au long de cette émission. On évoquera notamment la liberté de ton de ce journal à l'époque. 1991, nouvelle aventure, vous rejoignez La 5 pour y présenter le journal de 12h45, entre autres. Aventure de courte durée puisque La 5 va mourir un an plus tard. Et c'est d'ailleurs vous qui présentez le dernier journal. On regarde ça, là aussi, un moment plutôt empreint d'émotion. C'est la fin d'une aventure, ce journal, de l'aventure de toute l'équipe du 12h45. Alors moi, je l'ai rejointe il y a peu de temps, cette équipe, et c'est avec grand plaisir d'ailleurs que je l'ai rejointe. Mais ce sont des gens pour les trois quarts qui sont là depuis le début. Et puis il y a une dernière chose que je voulais vous dire. Vous nous aimez, nous on vous aime aussi. Je vous embrasse, à bientôt. La chaîne revivra. Au revoir. Ça, c'est des moments qui comptent hein, dans une vie professionnelle. Un an plus tard, vous rejoignez France 3. Pendant 100 ans, vous êtes la rédactrice en chef d'une émission intitulée Un jour en France, que vous présentez aussi au quotidien. Depuis 2003, vous êtes la médiatrice des rédactions de France 3. On en a parlé tout à l'heure. Vous répondez, entre autres, aux questions des téléspectateurs. Vous planchez aussi sur une nouvelle charte déontologique pour les journalistes. Alors, quand on retrace ce parcours, qui est quand même particulièrement riche, on se dit aussi que vous avez été une des pionnières à la télévision en France, femme à l'antenne. À l'époque, il y en avait peu. Comment vous avez vécu ça ? Alors, moi, je dois ma première présentation en 75 à l'année de la femme. C'est sérieux, hein ? Oui, oui. Le rédacteur en chef de l'époque était Christian Bernadac, qui avait décidé de remettre une femme à l'antenne. Donc, je dois à l'année de la femme le fait de venir...
Comment je l'ai vécu? Dans une inconscience totale la première fois, je peux vous assurer, sinon j'aurais dit non tout de suite. Non, mais je pense que la facette de notre métier, c'est... Alors justement, on mettait une femme à l'antenne parce que c'était l'année de la femme. Oui, mais enfin ça, bon, ça ne m'a pas perturbé plus que ça. Ça n'a pas titillé votre fibre féministe? Non, pas du tout. Bah non, bah écoutez, j'en ai profité, c'est bien. Hein? Mais non, la facette de ce métier, c'est à la fois de pouvoir faire en effet... Enfin, le reportage, c'est quand même l'essence même de ce métier. Après, on fait... C'est une autre façon de faire du journalisme que de présenter un journal. C'est fabuleux, c'est un... Enfin bon, bien évidemment, la période que j'ai vécue avec Yves a été une période extraordinaire, à titre professionnel et à titre personnel. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes hein, à la télévision. Oui, beaucoup, et beaucoup dans le Grand Reporter. Oui. Et ça, je trouve que c'est formidable. Et, Il y en a aussi beaucoup à présenter le journal télévisé. Des fois, on se dit pourquoi? Parce qu'elles sont jolies, parce que ça fait bien de mettre une jolie fille à l'antenne? Alors, écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le critère de certaines chaînes. C'est vrai que sur certaines chaînes Tout Info, des fois, on s'aperçoit qu'il y a des critères qui sont bien déterminés, bien formatés. Je ne pense pas que ce soit le cas sur France 3, c'est sur le service public. Non. Alors, vous l'avez dit, l'un des thèmes de ce scoop, c'est la pipolisation et le journalisme. Avec Yves Mourouzi, vous étiez peut-être le premier couple people, non? Non, je ne pense pas parce que, je veux dire, on a été dans une période relativement protégée parce qu'on n'avait pas tout cet environnement d'une presse très people qui n'existait pas. Si elle avait existé, je pense que ça aurait été assez terrible à vivre, mais ça n'existait pas. La façon dont on faisait le journal, c'est vrai que vous parliez tout à l'heure d'un peu d'impertinence. Il y en avait, oui, il y en avait un peu. Donc, vous n'étiez pas poursuivi par les paparazzis? Non, absolument pas. Non, là-dessus, je veux dire, on était plutôt cool peinard. Quand il y avait des photos, c'est parce qu'on les avait acceptées et c'était rarissime. Alors, une première phrase, il y a un petit jeu dans cette émission, on va voir des phrases et vous allez me dire si vous savez qui a prononcé cette phrase. Hein. Je préfère dire « voici mon projet » que « mon projet, c'est voici ». Un homme politique avait dit ça, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, absolument pas. On va voir la réponse en image. Voilà. Laurent Fabius, il avait prononcé ça à La Rochelle. On voit bien qu'il visait directement Ségolène Royal. C'était pendant les primaires. La pipolisation dans la vie politique, par exemple, comment vous analysez ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une vraie dérive? Je pense qu'on est dans une forme de dérive et qu'il faut faire très très attention. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et je ne pense pas que ce soit la télévision qui soit aujourd'hui la plus vecteur de pipolisation. Elle y contribue quand même. Elle y contribue. Mais je pense qu'on se rend compte qu'on est parti dans une bascule quand on voit des journaux qui sont vraiment des journaux de référence, qui sont les grands hebdomadaires politiques, qui multiplient leur une. Qui sont des unes de pipolisation. Qui font vendre. Alors, je veux dire, les sujets à l'intérieur sont toujours extrêmement sérieux dans les analyses, etc. Mais je veux dire, cette accroche pour faire vendre passe à travers cette pipolisation. Alors, faute à qui? Aux médias, les politiques? Je pense que c'est une faute partagée. Bien sûr, la photo média. Je pense qu'en télévision, les choses ont évolué. C'est pas dans le journal télévisé qu'on trouve de la pipolisation. Pas beaucoup, très peu quand même. Mais c'est vrai que toutes les émissions environnantes, les émissions de talk show, on a invité les hommes politiques et ils y sont allés avec grand plaisir. Pour chanter donc, à la télévision, c'est arrivé. Oui, mais ça, chanter, c'est pas gênant. Mmh. Je voudrais juste vous montrer chanter une autre... quand vous allez à carnaval et que vous chantez, c'est ce qu'avait fait Jospin. Il ne faut pas faire que ça. Je vous montre juste une autre phrase parce qu'elle va venir étayer le propos. Ségolène Royal, Ségolène en bikini. Est-ce que vous savez pourquoi on a choisi cette thématique-là? Cette expression. C'est une femme qui a dit ça, non? Alors, on l'a sorti parce qu'en 2008, c'était la requête qui arrivait en tête sur le moteur de recherche Google en France. Voilà, c'était sur Google et c'était pour voir Ségolène en maillot de bain. Comment on résiste? On voit bien qu'il y a une vraie demande des Français pour la pipolisation notamment des hommes et des femmes politiques. Comment on résiste à ça? On donne finalement, quand on présente un journal, on donne ce que veulent entendre les Français ou au contraire, on évite d'aller sur ce terrain? C'est pas facile. Alors, c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui que, bon, là, sur les moteurs de recherche, je veux dire, l'environnement d'Internet est complètement immaîtrisable à ce niveau-là. Et alors là, je veux dire, ça dépasse toute stratégie personnelle en communication. C'est vrai qu'aujourd'hui, les hommes politiques, voilà, ils sont armés d'hommes de communication. C'est ce qui devient quelque chose de capital, d'important. On a un président de la République qui sait faire là-dedans et qui va fouette cocotte. Voilà, on est dans une stratégie de communication plus que dans une stratégie d'information. Et les journalistes peuvent y échapper, selon vous?
Je pense que c'est compliqué. C'est très compliqué. Je pense que s'il faut, c'est pas évident parce que ça complique la tâche du journaliste. Il y a aussi l'instrumentalisation, on l'a vu, l'instrumentalisation de l'émotion. Les hommes politiques s'en servent. Comment aussi on évite de tomber dans ce piège quand on est journaliste ? Ben, le problème, vous savez, c'est que l'émotion, elle passe à travers une image, elle passe à travers... voilà, je veux dire, en quelque sorte, le vecteur même, et encore plus en télévision, c'est l'émotion. Je veux dire, on ne peut pas la nier, elle existe. Après, elle peut être instrumentalisée, c'est là où ça devient plus compliqué. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est jouer de cette émotion. Il ne faut pas que ça devienne une stratégie. Mais on ne peut pas l'éviter, l'émotion. Alors, on l'a dit, hein, vous avez présenté avec Yves Mourouzi le 13h de TF1. C'est entre 81 et 88. 8 février 88. Durant 7 ans, un journal avec un ton, une vraie impertinence. Yves Mourouzi était debout, comme quoi le journal d'M6 n'a rien inventé à la rentrée. Il se levait de temps en temps. En tout cas, il ne restait pas toujours sagement assis derrière le bureau. On va regarder un extrait et on commence. Il faut juste expliquer le premier extrait. Il y en a deux, mais le premier, c'était en 76. Vous n'étiez pas là encore, mais c'était pour montrer le ton d'Yves Mourouzi. Ce jour-là, l'équipe de Saint-Étienne disputer la finale de la Coupe d'Europe. C'était à Glasgow contre le Bayern de Munich et Saint-Étienne jouait en vert, important, regardez. Ne vous inquiétez pas, si vous nous voyez tout en vert, c'est pour marquer aujourd'hui de cette couleur particulière ce jour, ce mercredi 12 mai 1976. Vous avez vu, hein? Regardez, ça bouge à la télé, hein? Comme dirait M. Bouygues qui veut qu'il y ait toujours de la bonne humeur. Voilà. Ah tiens, à propos de Bouygues, bonjour M. Bouygues. Alors... Nous allons parler de l'information, bien entendu, même si personne n'y croit. Dans la joie et la bonne humeur, donc un journal de qualité. Un journal de qualité. Et populaire. Et populaire. En chantier, en tout cas. Et en chantier tout de suite, Monsieur Denis Vincenti. On voit plus ça aujourd'hui à la télévision. Non, on voit plus ça aujourd'hui à la télévision. C'était drôlement impertinent quand même d'arriver. C'était gonflé même de mettre le casque. On l'a fait deux fois ça d'ailleurs. C'est-à-dire que quand TF1 a été attribué au groupe Bouygues, on a commencé le journal avec un casque de chantier tous les deux. Mais c'était là, voilà, c'est le clin d'œil. On ferait ça aujourd'hui, on oserait faire ça. Alors, je veux dire, on est dans... C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de politiquement correct qui aseptise les choses, ce qui est dommage. Je pense que à cette époque-là, c'était Mourouzi qui le faisait, et personne d'autre. Donc je pense que la personnalité du journaliste compte beaucoup. Et je veux dire, c'était... Parce que Perfecto présentait le journal aussi en Perfecto, au-delà du casque, c'était... La fin du journal, il n'a pas présenté le journal en Perfecto. C'était la fin, il donnait la parole à Vincenti pour la météo. Donc quand, je veux dire, en même temps... Parce qu'on a vu récemment, c'était un exemple, mais Paul Amar qui avait sorti ses fameux gants de boxe lors du débat Bernard Tapie, Jean-Marie Le Pen. Et le sac Décathlon. Hein, et le sac Décathlon qui n'avait pas trop vu. Très gênant. Il avait été sanctionné, il avait quitté l'antenne. Oui. Mais ça, Yves ne l'aurait jamais fait. Qu'est-ce qui vous a déplu dans le geste de Paul Amar? Non, déplu, pas... Non, je pense d'abord, ce qui était un peu gênant, c'était la pub à Décathlon. C'est pas quelque chose... Alors, on en met une couche pour Décathlon. Non, parce que, je veux dire, là, c'était un petit peu limite, comme... on n'était pas... C'était pour faire un coup? Oui, c'était pour faire un coup, j'en sais rien. Mais on était en plus dans un moment de débat important. Je pense qu'on peut parler des choses avec sérieux sans se prendre au sérieux, en effet. Je pense que le téléspectateur, il est tout à fait d'accord pour le clin d'œil. Mais il faut aussi savoir le faire avec responsabilité au bon moment. Je pense que là, Paul, il a été dépassé par son geste. Alors on va regarder un autre moment d'impertinence et on va voir qu'effectivement quand on veut chercher de la vraie impertinence, on va chercher un peu plus loin et ce sont des images que vous allez voir aussi qui datent des années 80, on regarde. Ces gens-là n'ont rien à dire. Pourquoi tu les invites? Parce que tout le monde a le droit de parler, même ceux qui n'ont rien à dire. Pourquoi tu invites des lycéens qui ne veulent rien dire? Ça ne veut plus rien dire, les lycéens. C'est des merdeux. Alors, des trous du cul. J'espère que la caméra est sur moi. Bon. Polak, je veux dire ce que je viens d'entendre dire là,
c'est rien du tout. C'est les mots de ma mère, c'est les mots de ma grand-mère, c'est les mots imprimés qu'on leur a mis dans la tête, ils n'ont rien à dire, c'est jeune con là. Excuse-moi du mot. Pas de... ils n'ont rien à foutre. Bon, ce ça sont, suffit, ce sont des petits ânes qu'on nourrit. Alors ça, c'est un exemple parmi d'autres. Les émissions de Pollack, c'était extraordinaire. Les émissions de Pollack. Mais toutes ces années 80, enfin des débuts des années 80, je veux dire, il y avait une grande, un grand ton d'impertinence. Hein, vous avez de la liberté de ton... cette télévision-là. Non, de l'émission de Pollack, ouais. Oui, oui. Mais cela dit... Ça dérapait régulièrement, mais il se passait quelque chose. Mais il se passait quelque chose. C'est aussi pour ça que ça s'est très vite arrêté dès que TF1 a été privatisé. L'impertinence aujourd'hui, si vous deviez citer un exemple ou deux, en télévision, vous la trouvez où? Les guignols. Sans conteste, les guignols sont les plus impertinents. Hein. Mais on peut trouver un peu d'impertinence dans le stand-up de Ruquier, quand il fait « On n'est pas couché », parfois. Mais c'est vrai que, je veux dire... Ce ne sont pas des émissions politiques, ça. Non, ce ne sont pas des émissions politiques. Mais les guignols, bon, les guignols, c'est une émission politique. Hein. Oui, alors quand aujourd'hui les hommes politiques vont chez Michel Drucker, ils vont dans le grand journal de Michel Denisot, c'est plutôt ce genre de rendez-vous qu'ils affectionnent aujourd'hui, parce que c'est moins risqué, on sait qu'on ne va pas poser de questions dérangeantes. Ah, c'est pas vrai pour le grand journal, parce que quand ils ont Apathy en face d'eux, en général, c'est quand même pas... Non, l'émission, chez Michel Drucker, l'émission en général, de Michel Drucker, c'est autre chose, c'est une découverte, c'est une rencontre, c'est une découverte de la personnalité, des choses que la personne aime, etc. Donc on sait, hein, quand on va voir Vivement Dimanche, on sait que voilà, c'est une émission familiale. Et on va connaître un peu mieux une personnalité qu'on ne peut pas connaître uniquement quand, à travers une interview politique comme à vous juger. Par exemple, il dit, moi, mon plan médial en télévision, c'est Michel Drucker. Est-ce que finalement, ces émissions-là, ça ne leur donne pas un prétexte pour éviter les vrais lieux de débat? Oui, mais on peut aussi fuir les vrais lieux de débat, bien sûr. Tout à fait, parce que c'est plus confortable quand même d'aller dans... Juste quand vous êtes à vous de juger, d'abord, c'est un enjeu politique terrible pour l'homme politique qui est là. Je veux dire, il joue quelque chose. Quoi. On joue plus la séduction chez Michel Drucker que dans À vous de juger, c'est évident. Oui, puis À vous de juger, c'est sur la durée en plus. C'est sur vrai la durée, c'est un vrai défi, c'est même physique. C'est le fond, c'est un défi physique, c'est l'argument. C'est, voilà. Mais je pense qu'il faut que les hommes politiques aient conscience que quand même les Français, ils sont assez curieux du alors, débat politique. On l'a dit, vous êtes la médiatrice de France 3, vous êtes en relation permanente avec les téléspectateurs qui vous écrivent. Ils sont demandeurs justement de ces espaces de débat et en politique, de la confrontation d'idées? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est important et qui revient souvent. Je veux dire, la confrontation d'idées, le débat politique est quelque chose auquel ils sont attachés comme ils sont attachés à des émissions, si on cite France 3, comme Pièce à conviction, par exemple, qui sont des émissions d'investigation. Parce qu'ils savent très bien que y a le journal télévisé inévitablement gère une frustration par rapport... On ne peut pas approfondir un sujet. Et qu'aujourd'hui, il y a une vraie curiosité de l'information et du traitement de l'information, ce qui ne veut pas dire qu'on aime les journalistes, attention. Ils réclament de l'information politique, ils en réclament vraiment? Ils réclament, oui, du débat, oui. Du débat, de la confrontation d'idées, du débat, de l'argumentaire. De la confrontation d'idées, de l'argumentaire. Et quand on est dans des périodes électorales, il suffit de suivre un peu l'évolution des réactions des téléspectateurs pour comprendre qu'en effet, c'est important. On va regarder quelques photos parce que ce sont des dossiers qui ont marqué les téléspectateurs. On va voir comment nous, journalistes, on peut les traiter. Beaucoup de réactions de téléspectateurs sur le traitement de la grippe A. On voit une piqûre actuellement. Pas simple. Et c'est vrai que quand on regarde les médias, quand on lit la presse, quand on regarde le journal télévisé, ça aide pas franchement à se décider si on se fait vacciner ou pas. Oui, parce que c'est aussi le reflet d'une réalité. Non, je veux dire, les réactions des téléspectateurs, elles ont surtout été en septembre et octobre, quand il y a eu un plan de communication du gouvernement qui a été un plan extrêmement en pointe. Et là, très souvent, on nous posait la question, mais est-ce que vous êtes des simples relais de communication? Où est la limite entre la communication et l'information sur la grippe A? Et c'est vrai que pendant quelques jours, on a fermé les écoles, etc. Et vous avez l'impression que tout à coup, on donnait une amplitude à un phénomène qui ne ressentait pas comme tel. Et vous, cette information-là, vous en faites quoi quand les gens vous disent ça, quand ils vous appellent pour vous dire ça? Quand les gens nous appellent pour nous dire ça,
on leur répond, on essaie de discuter avec eux. Et puis, on le communique à la rédaction. Et on a fait une émission de médiation au mois de septembre, justement, de réflexion entre les limites entre la communication et l'information. Émission mais de médiation, le samedi matin à 10h30 sur France 3. Et ça pose aussi le problème de l'information scientifique. Oui. Nous sommes journalistes, on ne sommes pas des scientifiques. Et parfois, on n'a pas tous les éléments pour répondre non plus. Et d'ailleurs, c'est ce que Isabelle Sabourot avait expliqué dans l'émission, en disant, voilà, moi, comment je fais? C'est ce que leur demandaient les téléspectateurs, parce qu'une information là-dessus, comment vous faites? Alors, elle expliquait qu'elle avait des médecins référents, qu'elle appelait régulièrement, qu'elle faisait des enquêtes, des contre-enquêtes, la suspicion qu'il y avait ou non sur le vaccin. C'est très compliqué d'en parler. On voit parce bien que le monde scientifique est divisé lui-même. Donc le monde scientifique est divisé, donc il faut montrer qu'il est divisé. En même temps, l'impact des mots, de ce que l'on peut dire est tel qu'il faut faire très très attention. On va voir une autre photo qui date un peu plus dans le temps, ça remonte à 2005. Vous allez découvrir cette photo et ça aussi, ça avait généré beaucoup de réactions. C'était le référendum pour l'Europe. Et là, vous m'avez dit, très vite, on a compris qu'il y avait un décalage entre les médias et l'opinion publique. Oui. Alors, ce qui a été très étonnant, c'est que, d'abord, très vite, on a commencé à recevoir des réactions de téléspectateurs sur ce référendum. On était en mars. En général, je veux dire, c'est pas quelque chose. Je rappelle, les médias étaient plutôt pour le oui, prenez plutôt le oui. Hein. Mais à ce moment-là, il y avait une curiosité. C'est-à-dire que les gens nous disaient, mais expliquez-nous ce que c'est que ce traité. Il y a eu des vrais débats. Hein, dans le vrai débat. Et dans les émissions politiques qui existaient à ce moment-là, comme France Europe Express, c'est vrai que même si. Je veux dire, la problématique du traité n'était pas vraiment encore intégrée et les téléspectateurs étaient ulcérés des politiques qui ne changeaient pas leur discours et qui ne prenaient pas en compte le traité. Donc il y a d'abord eu cette espèce d'attente et de curiosité. Et on en a discuté à la rédaction et à un moment, il y a eu des explications sur ce traité. Et puis là, c'est très compliqué parce que vous expliquez quelque chose et vous avez deux types de réactions de téléspectateurs. Il y a ceux qui vous remercient, qui vous disent « c'est bien, voilà, ça nous permet de comprendre ». Et il y a ceux qui pensent qu'à partir du moment où vous expliquez, ça veut dire que vous approuvez. Et alors là, c'est une « ah ben oui, mais alors si vous dites ça, c'est parce que vous êtes d'accord ». Et on a en effet senti très vite, à partir du mois d'avril, tout à coup cette montée en puissance du « non » et cette contestation du traitement global, et pas uniquement France 3. Ça veut dire que vous avez senti un peu avant tout le monde, avant les rédactions, qu'il y avait un « non » qui était en train de grossir et qu'il y avait une cassure. Et qu'il y avait une cassure entre le public et les politiques, entre le public et les journalistes. Mais ce qui a dû accentuer la défiance à notre égard. Ce qui a accentué, bien sûr, la défiance à notre égard. Mais ce qui a été... Alors, la prise de conscience, bien sûr, elle a été surtout après, quoi. Mais c'est incroyable, etc. Et puis, franchement, c'était parfois dur et virulent. Et ça, je veux dire, c'est assez révélateur, parce que quand les gens s'adressent à nous, parce que cette télévision, c'est la leur... ils le disent d'ailleurs, ils paient la redevance, ils ont des exigences. Pour rappeler d'ailleurs, faire un peu d'autosatisfaction, hein, on est la chaîne préférée des Français. Chaîne préférée des Français. Donc il y a ce lien de proximité. Donc ils s'adressent volontiers à vous pour vous dire des choses, pas uniques, pour critiquer bien sûr, parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord, mais aussi pour faire part de leur ressentiment, de leur opinion, de leur envie. Et ça, je veux dire, ils l'ont fait énormément à cette période-là. On voit une autre photo, c'est un autre dossier qui a généré pas mal de courriers. Monsieur le Président de la République. Ouais. L'omniprésence du Président de la République. Ça, ça a été reproché par les téléspectateurs. Ça a été énormément reproché, surtout au tout début de la présidence de Nicolas Sarkozy, parce que, je veux dire, on rentrait dans une ère nouvelle hein, par rapport à l'ère de Jacques Chirac. Et les téléspectateurs avaient en effet... l'impression que cette omniprésence du président de la République était bien sûr aussi présente à l'antenne. Et là, vous disiez quoi? Même chose? C'est de la communication et pas de l'information? C'est de la communication, c'est pas de l'information. Il y a eu un ou deux sujets qui avaient fait réagir parce qu'on avait, entre autres, une fois, vous savez, les fameux bourrelets. La fameuse photo par image qui avait été gommée par Photoshop. On a fait un sujet pour l'expliquer. Puisque, somme toute, ce n'est pas contestable. Hein, voilà. Mais ça a amené énormément de réactions. Mais ce n'est pas à vous de faire ça. Vous rentrez dans le jeu de la pipolisation. Et les réactions, à ce moment-là, ont été assez virulentes. Et on a fait une émission, justement, de réflexion sur
qu'est-ce que ça change dans la pratique journalistique lorsqu'on se retrouve dans une hyper-communication de la part du premier homme, enfin du chef, du président de la République. Et là-dessus, les journalistes les qui suivent... Les médias ont modifié leur façon de voir, justement, dans oui, cette... Oui, et puis je pense qu'il y a... Oui. Et puis aujourd'hui, à la limite, on aurait plutôt... on recevrait plutôt des tendances averses en disant que voilà, on est plus anti-sarkozyste que pro-sarkozyste. Mais ça, c'est très compliqué. Il reste 30 secondes. Juste un téléspectateur qui nous regarde, qui veut vous contacter, il fait comment ? Mais écoutez, c'est très simple. Il va sur le site de France 3, il fait contacter, il rentre dans la rubrique contacter, et puis voilà, il écrit la médiation. Et on lui répond, on essaie de lui répondre. Merci Marie-Laure. Merci. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on va découvrir un nouveau visage politique dans cette émission. Lauriane Degnaud, elle a 27 ans, c'est la nouvelle présidente du mouvement des jeunes socialistes. C'était à Grenoble le week-end dernier. Elle est originaire de Saint-Nazaire. C'est plutôt le courant Benoît Hamon au sein de la jeunesse socialiste. Voilà, ce sera l'invité de La Voix est libre. Dans un instant, vous retrouvez votre journal régional. Vous retrouvez Anne Caruel également en direct du Scoop. Très bon week-end, à la semaine prochaine.